Bienvenue à tous. Nous allons faire aujourd'hui une balade au cœur du parc national de Ouaza. Situé non loin du lac Tchad, à l'extrême nord du Cameroun, le parc national de Ouaza a été créé en 1968. Il couvre une superficie de 1700 km² pas étonnant qu'il soit compté parmi les plus grandes réserves animalières du pays. Ici, on retrouve tous les grands mammifères d'Afrique, à savoir les lions, les girafes, les éléphants, les hippopotames, les gazelles et bien d'autres qui peuplent la réserve. Cette riche faune exceptionnelle et qui vit en parfaite symbiose est arrosée par quelques cours d'eau qui se remplissent pendant la saison pluvieuse. Le parc connaît également une grande période de migration avec des oiseaux qui en font leur point de chute. Ainsi, les autruches, les pélicans, les hérons marabouts et bien d'autres oiseaux migrateurs peuvent vous bercer par leurs chants lors de votre visite dans cet espace touristique. La faune et la flore font bon ménage ici, car le parc est divisé en deux zones forestières à l'est et la zone forestière à l'ouest a pour seul occupant les acacias. Alors, s'il vous arrive de vous rendre dans cette partie septentrionale du pays, n'hésitez pas à y faire un tour. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre capsule culture.